Il était une fois une reine d'Égypte qui défraya la chronique de son temps. Elle s'appelait Cléopâtre. Mais oui, celle dont le nez, s'il avait été plus long... Colonisée par Rome, mais soucieuse de reconquérir son trône, elle eut pour spécialité de séduire ses vainqueurs, Jules César, puis Antoine, qu'elle épousa. Antoine et Cléopâtre voulurent dominer le monde. Un jeune descendant de César, nommé Octave, les en empêcha. Nouvelle tentative de séduction de la part de Cléopâtre, mais cette fois ce fut l'échec, Octave resta de marbre. Devenu empereur sous le nom d'Auguste en 27 avant Jésus-Christ, il récompensa ses vaillants légionnaires en leur accordant le titre de citoyen de Nemausus avec les terres de cette colonie du sud de la Gaule. Et Nemausus devint Nîmes. Nîmes avec sa tour Magne, avec sa maison carrée, avec ses thermes, et avec ses arènes. Symbole de la conquête de l'Égypte par les soldats d'Octave, le palmier et le crocodile figurent dans les armoiries de la ville. Et 2000 ans plus tard, les crocodiles sont toujours bien vivants. Il joue même au football. Car crocodile, c'est le surnom que l'on donne aux joueurs du Nîmes Olympique. Tous les mois, les meilleurs d'entre eux, du plus petit jusqu'au plus grand, du pupille au professionnel, reçoivent le croco d'honneur assorti d'un cadeau offert par les supporters du club. Je vais commencer tout d'abord par fêter celui qui peut être considéré comme peut-être l'espoir numéro 1 de l'équipe professionnelle, Jean-Pierre Adams, qui est le croco de ce soir. Philippe Tougaret, le petit crocodile avec les compliments des supporters. Il a voulu un ballon, il a donc le ballon. Bernard Delprat, le petit crocodile avec les compliments. Et lui aussi, il a voulu un ballon. Voilà le ballon offert par les supporters. Alors, Stéphane Bayle, le petit crocodile. Et ça, c'est une montre offerte par les supporters. Alors maintenant, Jean-Luc Sabaton. Voilà le petit crocodile avec mes compliments. Il a voulu des souliers de foot. Voilà des souliers de foot avec les supporters. Il est prêt à jouer. Hein. Vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, trente-et-un, trente-deux, trente-trois. Tu peux m'en passer deux autres ? Tiens, moi la même. Merci. Tu en fais encore une autre, hein ? Vas-y. Gilles confectionne un volant dont les plumes en plastique seraient remplacées par des lamelles de caoutchouc taillées dans une vieille chambre à air. Tiens, voilà le dernier. Mais pourquoi attendre cinq ? Parce que c'est le nombre qu'il faut pour faire un volant. Parce que j'ai compté aussi sur les autres, alors il en faut 35. Thank you.
Nous allons donc suivre dans quelques instants une rencontre du championnat de première division. Les amateurs de football se souviennent peut-être, nous avions retransmis en septembre 70 pour l'international France-Tchécoslovaquie depuis le stade du Reich à Nice, un match que les Français avaient gagné 3-0. Aujourd'hui, c'est donc une rencontre du championnat de première division que nous vous proposons de suivre. Nice-Lyon, et vous le voyez, il pleut malheureusement à Nice. Les joueurs vont donc avoir quelques difficultés pour conserver leur équilibre sur une pelouse très glissante. Les Lyonnais sont tout en blanc à droite. Le coup d'envoi est donné à l'instant par l'arbitre. Et oui, le match a commencé. Oui. Quelques secondes, la composition des deux équipes après ce dégagement du gardien niçois Baratelli. Les Niçois jouent à gauche en culotte noire, maillot rouge et blanc. Avec dans les buts Baratelli, une première offensive menée sur la gauche par Charlie Loubet qui a servi Hervé Revelli. Hervé Revelli qui a voulu centrer, mais la défense lyonnaise. Le jeudi matin, école de football du Nîmes Olympique, sous la férule d'Henri Noël, un enfant du pays qui joue à naguère au club avant d'obtenir son diplôme d'entraîneur. Bon, les gardiens de but, là, vous pouvez vous lever. Pistolet debout. Combien il y en a ? 2, 4, 5, 6, 7. Vous avez une deuxième fois. Bon, les autres, vous vous levez, vous venez sur le terrain. Là. Allez hop, c'est le jeu de côté. Là. Le grand regret d'Henri Noël, c'est de ne pouvoir accueillir tous les jeunes qui veulent jouer au foot et d'être obligé en début d'année d'opérer une sélection. L'opération est bien douloureuse. Conduite de balle, intérieur, extérieur de pied. Quand vous arrivez à ma hauteur, une passe. Allez hop, c'est parti. Lève ta tête, balle. Tu ne sauras jamais où tu vas là. Lève, hop, donne-la. Et on suit derrière. On suit plus vite derrière. Et Brunet, tu suis aussi. Oh, tu vas, Brunet. Oh, tu vas. Oh, tu vas. Sabaton, regarde le champ de jeu, la même chose. Et Delprat, tu dors là. Avance, avance. Plus vite, plus vite. Lève ta tête. Oui. Ça passe, Richard, donne-la comme il faut. Eh, hey, c'est pas une passe, ça, alors. C'est pas vrai, ça. C'est pas des passes que vous faites, là. C'est pas bon, ça, hein. Alors, envoyez un ballon, je vous fais revoir, là. Bon, je vous ai demandé des conduites de balle intérieures, extérieures. C'est pas difficile. En course, vous touchez le ballon intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur. Allez, on reprend la même course, là. Oui, tu pars derrière, Odies. Vas-y plus vite, là. Oui. Allez, arrête. Oui, ça va te voir où tu vas, hein? Lève ta tête. Ah, oh, dis Delpro, va plus vite, mon sang! Oui, plus vite que ça encore, le baron. Mais là, on dirait une marchandise qui roule. Vas-y, plus vite! Voilà! Bon! On va passer maintenant au jeu de tête. Vous allez, pendant un petit moment, jongler avec les ballons à deux, toujours à deux, tac, 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 et des petits échanges de balles à deux à la tête. Une fois que vous aurez repris le ballon à la tête, vous écarterez d'une dizaine de mètres à peu près. Il y en a un qui prendra le ballon à la main, fera une touche normale d'une dizaine de mètres. Celui qui est en face attaquera le ballon, sautera et en l'air doit donner le coup de tête. Je ne veux pas voir des garçons les pieds collés au sol. Quand on saute à la tête et en l'air, hop, on donne le coup de tête. Bien d'accord, hein? Bon, donc autre chose, en l'air, on donne le coup de tête, il ne faut pas le donner là, c'est ici. Si on saute, il faut sortir la tête, hausser les épaules et on donne le coup de tête, la naissance du cheveu. Bon.
celle-là. Eh bien là. Oui. Encore une. Elle saute, hein. Et voilà en l'air. Envoie en l'air ton ballon, Salvatore. Envoie-le en l'air. Attaque-le le ballon. Attaque-le. Hein. Cette fois là. Tu l'as bien là. Eh, tu as décollé de ça, t'as vu. Ah bah t'as pas assez sauté, toi aussi t'as pas sauté en l'air et donné le coup de tête. Alors là, comment veux-tu qu'il fasse une tête en l'air si tu lui mets le ballon à de terre là. Et on voit le ballon plus haut. Là attaque-le là, ouais. Attaque-le là. Et pas les mains, tu l'as quand même à la tête là. Tu n'as pas sauté non plus. Bon, je vais vous faire voir ce qu'il faut, ce que je veux exactement dans ce jeu de tête. Hein, je veux qu'il y ait d'abord un saut au moment de la touche, qu'il y ait un saut, et en l'air, qu'il y ait le coup de tête. Hein, pas comme j'ai vu tout à l'heure, des têtes comme ça, non, ça ne vaut rien. Ce que je veux, c'est le saut et la tête. Hein, tu vas envoyer un ballon en l'air, et je vais l'attaquer. Je vais d'abord sauter et donner le coup de tête en l'air. Hein, vas-y. Là, hop, là, je ne peux pas attaquer. Hein, je me la mets devant. Ah, voilà, en l'air, là. Allez, là je attaque le ballon, je donne le coup de tête, hein, il est parti le ballon dans sa direction, allez encore une fois, là, je saute, hop, et je donne le coup de tête, voilà, allez-y, c'est parti, allez saute, donne le coup de tête, ferme pas tes yeux, tu feras pas mal le ballon, va, attaque-le là, oui, allez Dias, attention à vos touches, faites-la comme il faut, saute, allez, pas mal, donne ton coup de tête plus fort que ça, hein. Bien joué Brunel, c'est bon ça. Là il a sauté lui. Oui, pas mal. Eh, il faut juste jouer la trajectoire de la balle, Rico. Voilà, ça c'est bon. Là, oui, là c'est bon. Allez, vas-y là. Oui, c'est bon. Recule ton but, c'est au moment où le ballon arrive. Là tu frappes. Frappe fort, hein. Là, oui. Laisse-le arriver le ballon, laisse-le arriver. Là, vite, là tu as frappé trop tôt encore. Là, oui, cette fois c'est bon. Là, voilà, laisse-le arriver le ballon. Frappe fort! Oui, ça c'est bon! Ah, c'est bon! Attends, on va changer un peu, hein? Bon, maintenant je vais passer autour de toi. Toi, tu ne bouges pas, mais tu donnes des coups de tête sur les côtés. La même force, hein? Ça y est? Allez, vas-y! Oui, c'est bon! Là, allez! Oui! Encore! Oui, frappe, frappe! Donne le coup de tête, là! Donne le coup de tête! Oui! Donne le coup de tête sur le côté, là! Tourne-toi bien sur le côté! Là, reste comme tu es! Là! Oui! Pour travailler la frappe de balle à terre, concours de pénalty, c'est-à-dire de coup de pied de réparation, sanctionnant une faute grave commise près des buts. Après la technique, un peu de tactique, toujours en course comme l'exige le football moderne. Les 1-2 sortent de passes redoublées et les talonnades. Arrête, pas vite. Connu le ballon, connu-le. Là, 1-2 là. Oui. Remets-lui. Tu veux un maillot? Oui. Rouge ou vert? Bien sûr, rouge, comme les olympiques. Hein. Tiens. Un flottant peut-être, hein? Oui. Tiens. Tu veux des chaussures, hein? Oui. J'en ai, tiens. Elles sont bonnes, hein? Oh, ben oui, c'est mes premières. Je tire les pénalties avec, hein? Non, ben va, tu les louperas pas. Tiens, les chaussettes. Hein. Je les ai. Tu les as? Tu voudrais peut-être le survêtement? Oui. Tiens. Merci. Voilà, t'inquiète, tu pourras peut-être pas l'enfermer. Hein. Dimanche, 10h. Sous une pluie diluvienne, les pupilles de Nîmes et de Vauvert, une localité qui n'est pas au diable mais à une vingtaine de kilomètres, pénètrent sur le terrain pour disputer une rencontre de championnat départemental avec tout le cérémonial d'un match de Coupe du Monde. Allez, Nîmes!
Mi-temps. Pas besoin de rafraîchissement, mais de bons conseils donnés par l'entraîneur de l'équipe professionnelle, M. Kader Firoud, dit le coach. Et l'interdroit, les autres, ils jouent à côté de lui, ici. Pour toi. Oh, tu frappes n'importe comment, là. Allez, écoute-moi, il faut jouer intelligemment, hein. Premièrement, quand vous allez là-bas, tu essaies de la donner sur le côté, à ton ailier, qui est à ta disposition, hein. Et même si tu perds la balle, il faut essayer de faire quelque chose d'intelligent. Un jeu intelligent, c'est donner la balle à quelqu'un et ne pas la perdre. Si tu donnes la balle n'importe comment, c'est pas bon, ça. Il n'y a pas de plaisir. Alors essaye de la donner à quelqu'un, essaye après bien. Eh ben, c'est bien ce que vous faites, hein. Ah, maintenant, tâchez de gagner, hein. Allez, ça suffit. Résultat, match nul 0 à 0. Bien difficile de marquer des buts par un temps pareil, n'est-ce pas Jean-Luc? Mais déjà, Jean-Luc, le petit Brunet, Bernard, Stéphane et Richard ne pensent qu'au grand match de l'après-midi, au match où l'équipe Fagnon rencontrera l'équipe de Metz. Une surprise les attend dans le vieux stade battu par le Mistral. Après avoir joué en levée de rideau, l'excellent gardien de but, Landy, s'est glissé parmi eux. Richard, quoique transi de froid, ne perdra pas une miette des commentaires de son aîné. Regarde l'hésitation du gardien de but. T'as vu Richard? Il ne doit pas hésiter, il doit y aller carrément. Il a pris la décision de sortir, il doit y aller carrément. Sinon, il doit rester sur sa ligne. Et regarde Martinelli qui dit à ses gars, regarde. Regarde comment il leur parle, tu vois? C'est lui qui commande, c'est lui qui voit tout. Allez, rentre Jean-Charles, rentre! Oh là là, oh là là, oh leur but, oh là là. Pas possible ça. Vous savez les enfants pourquoi il a tiré de loin? Il a profité du vent. Il a le vent pour. Alors il a tiré de loin. Avec le vent c'est un avantage. Il faut toujours prendre des risques. Et tu vois Richard Martinelli, il a préféré donner au GS son capitaine parce qu'il a le vent contre. Alors si les ballons ne partent pas bien, elles partiraient mieux à ras de terre. Tu vois? Toujours à ras de terre il faut les donner quand on a le vent contre. C'est l'arbitre, c'est faute là. Bouscule dans le dôme, c'est l'arbitre. Allez, Jaco! Allez, encore. Tu vois, Gilles, la passe, elle est pas assez forte là, ici, sur Bollet, tu vois. S'il donne une passe un peu plus forte, il peut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il est court, qu'il se fait enlever ce ballon. Oui, allez, oh, il y a un bon placement là, tu vois, Richard. Bien joué, allez, Yann! Regarde le gardien de but faire son mieux, regarde-le. Il doit se mettre au premier poteau, très bien, il n'est pas au premier poteau. Voilà, et but. Oh là là, oh là. Oh là. Oh là. Oh là.
là là. Il était mal placé, tu vois. Jamais il aurait dû faire ça. Il était mal placé. Tu comprends? Oui. Hein, s'il était à son premier poteau, il aurait vu qu'il y avait le trou là ici. Il doit pas le faire. Ça. Non, 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 il n'y a pas de but. Non, non. Il était derrière. Il était derrière Martinelli. Automatiquement, il est hors jeu. L'arbitre de touche, il a signalé, non, je sais juste. L'autre, il a continué. C'est juste. Il n'a pas contesté la décision. Non, non, l'arbitre a refusé, puis c'est terminé maintenant, c'est fini. Il n'a pas le droit de parler à l'arbitre. L'arbitre a pris une décision, il ne doit pas respecter. Tu vois, Richard, le gardien de but en face là-bas, il ne doit pas rester sur sa ligne comme ça. Il doit avancer un peu, il doit se déplacer. Il ne le vit pas le match, tu vois. Ça, c'est pas bon, ça. Un gardien de but doit bouger, il doit bouger énormément. Il doit participer au jeu. Il est défenseur, il est tout, là. Tu vois, il faut qu'il bouge, il reste trop sur sa ligne. T'as compris? Bien. Toi, plus souple, Richard. Plus souple, plus souple. Voilà. Oh, énerve-toi, Richard, un peu. Ce jeudi-là, au coucher du soleil, quelques professionnels, des pros comme l'on dit, dont le capitaine Henri Auger et l'international Michel Mézy, avaient emmené leurs copains sur la plage. Il est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, c'était eux, les bons élèves de l'école de football du Nîmes Olympique. Balance, allez. Allez, arrive.